termes de sobriété énergétique, donc économie d'eau, de prélèvement dans le milieu. On optimise la goutte d'eau qu'on va prélever. Dans nos 31 collectivités qui réunit presque 400 communes, 500 000 habitants et qui intervient sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne. Je dirais que l'ADN de Réseau 31, c'est travailler en coopération avec des partenaires, qu'ils soient collectivités ou qu'ils soient labos de recherche. Il faut avoir à la fois une approche grand cycle pour pouvoir maîtriser et avoir une vision de la ressource en quantité et en qualité la plus large possible. Et après, il faut travailler chacun dans son compartiment à faire en sorte de aller vers une plus grande sobriété. Donc sur la commune de Saint-Michel, Réseau 31 intervient pour la compétence eau potable. On a sensibilisé par le biais de réunions publiques et avec l'appui du conseil départemental tous les usagers de Saint-Michel sur la rareté de leurs ressources en eau et le côté précieux qu'elles pouvaient avoir et le risque qu'il y ait un tarissement et voire qu'ils se retrouvent avec plus d'eau au robinet. Livrer une eau de qualité aux usagers et ensuite épurer les eaux qui sont rejetées dans le milieu naturel pour le protéger.